silence. Ce deuxième jour de camp d'entraînement. Salut tout le monde, bienvenue dans le... Bienvenue dans le deuxième jour de ce camp d'entraînement à Annecy. Ce matin, c'est pancake. On va faire une petite recette. Une recette aux petits oignons, plutôt, je veux dire. On se retrouve à Annecy pour le second camp d'entraînement. Pour ceux qui avaient suivi, on avait fait un camp d'entraînement. C'était quand? C'était l'été dernier. D'abord, on va voir si ça marche. Allez, 1, 2, 3. Ça marche pas. Ah. Donc là, c'était pour préparer la compétition en Angleterre. Là, ça va être pour préparer une compétition en force, la dernière compétition de l'année. Regardez ça. Comment on casse des œufs, regardez. Hop. Hop. Voilà. Si avec ça, on ne devient pas fort, moi, je comprends rien. Moi, j'ai du deadlift. Avant, c'était du street, on faisait des battles. Après, j'ai un gros 4x8 à 107,5 kg dips. Mais avant ça, on prend des forces. Montrez-moi voir cette recette. Voilà. Ça fait une belle pâte. Voilà, là, là, là. Je mange ça depuis 6 ans pour avoir un petit niveau. Ah oui, moi c'est des gâteaux, c'est pas des petits. Et c'est le kiki. Échographie. Oh, qui est médecin, du coup, au moins je sais tout direct, tu vois. Ouais. Et c'est le kiki. Mais Flo, ça tue ta recette de pancake. Ah, s'il dit devant la caméra, ça c'est bon. Ah, ouais, vraiment, c'était même pas. Et c'est le kiki. Franchement, c'est bon. Ça va, tu mérites trop, tu mériterais trop qu'il y ait des meufs qui te DM et tout, rien que pour ça. C'est vrai. Et moi, je suis juste avec mes petites pommes, quoi. Une table de champion, quoi. Stage, le backstage. Ah là, là, on est fort, là. Avec l'élastique, pour ceux qui demandent, j'ai fait un t-shirt pour expliquer pourquoi je mets un élastique et un lesté, mais c'est simple, c'est juste pour renforcer ma portion haute. Donc en gros, quand je suis en haut, l'élastique il ne tire plus beaucoup, du coup je suis avec 85 kg pour renforcer justement mon amplitude complète. C'est parti, vous allez me voir galérer. Allez, allez, c'est facile. Allez. Allez. Allez, boum. Une. Deux. Allez, 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 allez. Allez. Oui. Ressenti, juste bien, j'ai l'impression. Ouais, c'était très bien. Franchement, parfait. J'avais une petite rep en plus. How about nip rapping conscious but he ignorant? How you find a hub but still gon' go legitimate? How you fuck a bunch of but they still respect the women? He's the rolling, it's another. He just got the window standing, homie stabbing in the back and that can never be forgiven. And my palms been itching, man. I like your superstition. Spanialistic donation, so. Charlie saw my wallet, now she think a nigga handsome. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Tryna get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick on the bitch, unless the bitch is my bitch. Tu m'expliques pourquoi tu fais ça, moi je sais pas. Allez, explique à la communauté. Stato dynamique pour chercher au moment où l'élastique est en tension le reste de ma traction. Et pour du coup accélérer dans la portion difficile, quoi. Exactement. 3 séries de 15 répétitions. Pourquoi ça? Rotateur interne. Pour mes épaules en carton. Parce que dès que je fais de la force, je mets beaucoup d'exercices d'assistance. Pas pour prévenir le risque de blessure, mais pour le réduire. Mais je sais pas combien je suis. On sait bien que compter pour toi, c'est un challenge. Et du coup, j'enchaîne ça avec rotateur externe. Bon, vous avez l'air d'un débile comme ça, mais c'est efficace. Et du coup, pareil, 15 répètes
Comme ça, on a fait rotateur interne et externe. Quand il pleut, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas le temps, mais c'est le temps qu'il fait dans ton cœur. Tu veux m'aider, s'il te plaît? Attends, faut couper. Regardez les deux adversaires qui cèdent. Si ça, on n'est pas adversaire. C'est faux, ça. Vous êtes rival. C'est beau. Cette image restera gravée. Merci. Attends, faut que je me détende. Ah, détends-toi. Détends-toi, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, viens, t'inquiète. Allez, on va y aller. À tâtons. Inspire. Expire. On maintient la position. J'ai de pousser de grandir au niveau des épaules. Inspire. Et expire. Prépare pour le bras de fer, Théo. Ouais, je me mets au bras de fer sportif. J'ai un combat contre Larry Wills là dans 2 semaines et demie. Ouais. Ouais. Mais je crois qu'il va annuler et il chie dessus un peu. Ouais, bah, je comprends. Hein. Yes. Ça sert à quoi? Alors là, je suis en train de muscler mes supinateurs. Parce que j'ai des douleurs de coude. Et qu'on cultive la réhab ici. On cultive la réhab. Mais pas d'excuses. Tu déroules, tu essaies de dérouler vertèbre par vertèbre. Après, tu augmentes les bras de levier pour pas te manger le sol. Et tu déroules de la même manière. Hein? J'ai ramené les chaussures de running. Moi aussi. C'est vrai? Oui. Moi je vais monter là-haut là. Mec, regarde ça. Regarde ça. Eh, c'est magnifique hein. Bon, vous avez fait une bonne séance? Ouais. 4 heures séance. 4 heures de séance. 4 heures séance, bien productif, efficace. 16 heures. Salut les gars, bienvenue sur Strength Vision. Donc aujourd'hui, vidéo avec Théo et Flo Marek, en compagnie bien sûr d'Alexis pour ne pas l'oublier. Pour vous présenter un petit peu le lac d'Annecy, la ville d'Annecy et puis tout ce qu'il y a à faire autour. C'est parti, on y va. Mais là, c'était l'outro de la vidéo, mec. Faut leur dire au revoir. Vas-y. Et à demain. Une routine. Voilà. Baki, il a plein de pommades, on vous les montrera. Pour avoir la peau douce, c'est plus joyeuse que lui. Et faut pas oublier le sauna aussi, hein. Et le sauna le soir. Ah, la récup. On la récup pour le sauna. Mais là, je pense que c'est tout pour cette première vidéo. Je pense qu'il y a déjà pas mal de contenu, pas mal de choses à voir. On vous laisse sur le beau décor. Ah, ça, c'est méchant par contre, hein. Salut chef. Wow, 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 wow.